Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, ce qui généralement n'est pas forcément quelque chose de très attendu parce que, on va dire, 3 fois sur 4, c'est mauvais. Hitman Agent 47 de Alexander Back. L'histoire, c'est très compliqué. C'est celle de Katia Van Dies, qui est une jeune femme qui ignore tout de son passé, mais qui est à la recherche d'un homme. Elle ne sait pas pourquoi elle est à la recherche de cet homme-là, mais visiblement il l'a marqué dans sa vie et elle s'en souvient un petit peu. Et on la voit le chercher, et puis au bout d'un moment, il y a deux agents qui vont se pointer devant elle, l'agent 47 et un agent qui s'appelle John Smith, et elle va devoir faire son choix dans quel camp se ranger. C'est le bordel de toute façon, de base. Pour en parler, il y a Thomas du canapé, parce que quand on parle de jeux vidéo, il faut un vrai soutien moral et avec du background pour pouvoir parler des jeux vidéo. Comment vas-tu, Thomas? Eh ben ça va très bien, écoute. Ça allait avant d'aller voir le Ça allait film. avant de voir le film. Oui, donc Hitman, juste pour rappeler, il y a eu ça, avant qu'il y ait ce Hitman-là, réalisé par un Français, produit par Europacorp. C'est ce que c'est. Malheureusement, mais voilà, on va dire que c'était déjà pas un très très bon augure qu'ils décident d'en refaire une suite, qui en plus n'est pas une suite. Toute l'équipe est d'accord pour dire que c'est un reboot, ce qui est complètement con puisque c'est la même équipe que le premier, il y a le même Oui. scénariste, il y a que le réalisateur et les acteurs qui changent au final, et le compositeur de la musique. Mais voilà. Toi, rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé, Thomas, du film dans sa globalité? J'ai été très déçu, c'est-à-dire que j'attendais pas grand-chose et j'ai quand même eu moins que ce que j'attendais. Ah oui, putain, quand même. C'est-à-dire que non, mais honnêtement, je me suis dit bon bah c'est voilà, ça va être un film d'action un peu moyen et au final non, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver devant un truc bâclé. Et plutôt bas de gamme. Oui. Ce qui est toujours décevant de toute façon. Ouais, de base, c'est généralement des ans. Ouais, on en parlait avant d'entrer dans la salle, on se demandait combien de bonnes adaptations de jeux vidéo il y avait eu dans l'histoire du cinéma. On n'en a retrouvé qu'une de vraiment très très bonne. De vraiment très très bien. On en a trouvé une de potable. Et après, on. Potable si Enfin, on oublie potable, le si jeu. on oublie le jeu. Voilà, c'est vrai qu'on avait dit que c'était une bonne adaptation, avec une grosse prise de liberté par rapport au jeu, ce qui est au Voilà. final. Mais alors là, Hitman Agent 47, c'est déjà un film qui ne respecte pas son aîné, Du tout. vidéoludique. De deux, c'est un film qui part dans tous les sens, en très peu de temps. Ouais. Ce qui tout de même est à la fois une qualité et un énorme défaut. Et deux, trois, c'est un film qui n'est pas cohérent, ou très peu en tout cas, que ce soit en matière de graphisme, que ce soit en matière d'écriture, ou que ce soit même en matière de choix d'acteur, parce que franchement, c'est la première fois où je trouve qu'il y a des choix d'acteurs qui sont vraiment bizarres. Mais vraiment bizarres. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur ce film, et encore une fois, je le répète, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce film, et je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce film, parce que littéralement, ça ne servait à rien, au Ouais, final. mais je suis tout à fait d'accord. Au bout de quelques minutes de film, je me suis dit bon, apparemment ils ont envoyé se faire foutre le matériau d'origine, donc c'est pas grave. Je vais considérer que c'est pas une adaptation de Hitman et que c'est juste un film qui a à peu près le même concept. Mais même en pensant ça, c'était n'importe quoi. Ouais, non mais. C'est-à-dire que ils reprennent un peu le délire qu'on avait dans Hitman Absolution, avec ce personnage féminin qui est un peu particulière, on sait pas trop ce qui lui arrive, il semblerait qu'elle ait plus ou moins des pouvoirs. Ouais, mais on sait pas d'où ça vient, mais visiblement les mecs Ouais. pensent pouvoir la contrôler, mais voilà. Et puis bah, ça mis à part, c'est absolument pas Hitman. Enfin, Hitman, c'est un jeu qui est fait pour être assez hardcore. C'est dans les jeux d'infiltration, c'est un des seuls qui est resté vraiment, Infiltration. voilà, vraiment infiltration, pendant que Splinter Cell s'est barré du côté de l'action, Ouais, c'est ça. voilà. Bah, Splinter Cell, ouais, le tout dernier qui était sorti, Ouais. il était exactement comme ça. C'était un jeu vidéo qui demandait plus aux gens de faire de l'infiltration, qui leur proposait carrément le choix. Et malheureusement, le problème, c'était que à cause du contexte du jeu, ça incitait plus les gens à y aller comme des bourrins et des gros porcs que à jouer de l'infiltration. Et Hitman était un de ses derniers Ouais. jeux à tenter ce genre de truc. Et au final, là, littéralement, l'infiltration, il l'encule à sec et il Ah la oui. retourne dans tous les sens et après il la jette sur le trottoir et il lui donne même pas un pourboire. Ah non, Hein. mais là c'est un mélange entre le transporteur et Wanted, quoi. Non, mais c'est ça, C'est ouais. le Hitman, l'agent 47, qui arrive avec deux pistolets, qui tourne sur lui-même, qui. Tu sais, c'est le Gun Kata, là.
Oui, Equilibrium. Equilibrium. C'est exactement ça. En plus, c'est vrai que j'y ai pensé. J'y ai pensé quand il a mis les énormes silencieux. J'ai fait oui. Putain, mais c'est les mêmes guns. Il va quand même pas en sortir deux. Et il en sort deux. Et c'est vite, tu t'attends pas à ce moment qu'il commence à se bastonner avec les flingues. Et c'est pas loin de ça. Donc bon, niveau adaptation, c'était mort. Mais en tant que film tout seul, si vous n'avez jamais joué à Hitman, vous n'allez absolument rien comprendre, je pense. Oui, alors déjà, on peut commencer par le scénar. Parce que le scénar est purement et simplement. Bordélique. Oui. Alors, il a un point de base qui peut être intéressant, mais c'est un point de base. Ouais. C'est comme si Mad Max Fury Road avait commencé avec son point de base, et qu'au bout de 15 minutes, il n'y avait plus de course-poursuite, et que ça commençait à réfléchir, à essayer de poser des scènes et des problématiques qui n'avaient rien à voir avec le concept de base. Ouais, c'est-à-dire que là, on a une scène d'action, et ensuite on a une scène plus posée, où on essaye de faire avancer le scénario. Et très clairement, je pense que ça faisait chier les scénaristes de l'écrire, je pense que ça faisait chier l'équipe de la tournée, et ça fait chier le spectateur de les regarder. Ah oui, c'est vraiment dingue. C'est dingue. Enfin, là, Skip Woods et Michael Finn, ils ont littéralement mais pondu peut-être l'un des scénarios les plus incohérents et qui s'enculent au fur et à mesure du film. Enfin, de base, Skip Woods, c'est celui qui avait écrit le premier Hitman. Donc de base, déjà, pourquoi reprendre celui qui avait fait un très mauvais scénario dans le premier pour faire un très mauvais scénario dans le deuxième? Et en plus, entre-temps, Skip Woods a pondu Die Hard 5, qui est considéré pour beaucoup comme l'un des pires films d'action de tous les temps, et littéralement de tous les temps. Et en plus, il a pourri le très bon scénario de sabotage de David Ayer en y incorporant des thématiques mais absolument lamentables. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait avec Michael Wally? Il fait rien, quoi. Enfin, ouais. Non mais littéralement, on essaye de nous faire une espèce de build-up, de nous dire oui, vous allez comprendre vraiment ce qui se passe, qui est ce personnage, pourquoi elle a des visions étranges et tout. Mais depuis les 5 premières minutes, on a quasiment tout appris. Mais ça, les 5 premières minutes. Oui, c'est ça. Enfin, oui, tu me l'avais pointé du doigt et c'est vrai qu'à la fin du film, je pensais même plus. Mais dans les 5 premières minutes, la fille nous raconte que son père, voilà, c'était le directeur du programme. Et ensuite, étrangement, on la retrouve et on essaye de nous faire croire pendant quasiment 20 minutes que la personne qu'elle recherche, c'est pas forcément son père, on sait pas qui c'est, ça peut être n'importe qui. Et au final, on découvre dans une espèce de retournement de situation où le personnage dit « La personne que tu recherches, c'est ton père. » Ouais. Et nous, en tant que spectateur, on est simplement en train de dire « Oui. » Bah oui. On le sait depuis le début du film. C'est ça. Donc bon, oui, des retournements de situation de merde. Mais puis ça. Tu l'as dit, de base, le scénar respecte pas le matériau d'origine, c'est-à-dire que ça n'a aucun respect pour le jeu vidéo, c'est-à-dire ça fait partie de cette espèce de clique de cinéma, en fait, qui ne porte aucun respect au jeu vidéo, qui considère que les gens qui jouent au jeu vidéo, c'est des connards qui vont rester enfermés chez eux, et qui peut-être téléchargeront le film, un de ces quatre, sur leur ordinateur, mais qui n'iront pas le voir au cinéma. Et donc, de base, c'est pas respectueux pour les joueurs et pour le matériau d'origine. Et on comprend à peine que Eidos et IO Interactive aient cédé les droits pour les adaptations. Parce que franchement, porter aussi peu de respect au jeu, c'est juste qu'en fait, ils économisent de la thune pour le prochain Hitman. Ouais. C'est juste ça. Fin... Non, mais c'est vrai qu'en soi, je trouve ça dingue de me dire que à l'heure actuelle, on a des adaptations de jeux vidéo en film qui respectent absolument rien. Et on a des films qui n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo qui respecte plus le public geek, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, Hypertension, Edge of Tomorrow, Speed Racer, Scott Pilgrim, enfin... Enfin voilà, il y en a tellement, et ils n'ont pas de jeu de référence, enfin, c'est dingue. Et par contre, quand on essaye d'adapter une grosse franchise du jeu vidéo comme Hitman, on s'en bat les couilles. Et à contrario, c'est ce que je te pointais du doigt, moi je trouve qu'il y a un manque de, on va dire, de donnant-donnant, parce que le cinéma ne porte aucun respect aux jeux vidéo. Mais étrangement, de son côté, le jeu vidéo porte un immense respect au cinéma. Enfin, voilà, on vient de le voir, mais Until Dawn, qui vient juste de sortir en jeu vidéo, c'est peut-être l'un des jeux vidéo qui porte le plus de respect au genre horrifique à l'américaine. Totalement. Depuis un bon petit moment, qui ne se dit pas « je vais le prendre à contrario et je vais en faire de la merde et je vais me foutre de sa gueule pendant longtemps ». Enfin, c'est voilà, et, enfin, de toute façon, si vous avez joué à des trucs dans le genre de Call of Duty, de The Last of Us, de Gears of War. Je dis pas qu'ils sont tous de la même qualité, mais je dis que ce sont trois jeux qui portent énormément de respect au cinéma, qui essayent de faire quelque chose de très filmique, finalement. Et, oui, c'est ça. Enfin, Black Ops rend un immense hommage à Apocalypse Now, à Platoon, enfin, à tous les films sur la guerre du Vietnam, enfin, Gears of War. En parlant de Black Ops, cette fameuse introduction. Je me suis rendu compte, en regardant le film, qui me faisait penser à tout
sauf à Hitman. C'est-à-dire que les premières minutes du film, c'est un espèce de dossier déclassifié où on a une espèce de voix off, on voit des images d'archives, on a des zooms sur des cartes, etc. C'est totalement Black Ops. Oui, c'est les briefings de mission de Black Ops. Et d'ailleurs, cette scène se finit même comme la fin de chaque briefing de Call of Duty avec un espèce de zoom sur la carte de plus en plus fort qui finit par arriver j'avais même pas fait gaffe, mais c'est vrai, en plus c'est dingue, c'est un grand foutage de gueule, un peu comme ce qu'on a quand on change de personnage dans Grand Theft Auto 5 aussi. C'est ça. Voilà. Et c'est marrant, enfin je sais pas si c'est des références volontaires aux jeux vidéo, mais il aurait peut-être fallu se concentrer sur Hitman du coup. Bah oui, il va faire des références volontaires. Dans ce cas-là, tu crées tout un personnage qui ressemble un petit peu à Hitman, tu dis que c'est une référence et que c'est une base, et tu build tout autour, mais tu fais pas une adaptation de jeu vidéo où tu portes aucun respect pour le matériau d'origine, mais par contre t'alignes tous les trucs que les... Enfin, pardon de dire ça, et c'est un peu vache, mais que tous les connards qui achètent Black Ops parce que c'est l'un des jeux les plus vendus vont pouvoir reconnaître tout de suite. C'est un peu la solution de facilité, c'est comme si tu te mettais... c'est comme si tu te mettais à rendre hommage à Matrix, mais que dès le début tu plaçais une séquence qui rendait hommage à Retour vers le futur. C'est con, quoi. C'est prendre un objet de pop culture pour rendre hommage à un autre truc, ce qui va pas dans une certaine lignée, on va dire, cohérente en matière de cinéma et en matière d'écriture. Mais dans tous les cas, si on met le jeu vidéo de côté, le film en lui-même, le scénario, oui, il est pas bon. Enfin, franchement, mais le tournage du film a dû être fini à la pisse. Non mais c'est vrai, quand je vois, si vous voyez le film, il y a une séquence qui se passe dans un bus vers le début, un plan sur deux est flou. Et voilà, là on peut passer à la mise en scène, mais oui, Alexander Durback, encore une fois, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, parce que, comme on le disait, le principe même de base de Hitman, c'est que tout va se jalonner au fur et à mesure que la situation va avancer. Donc, qu'est-ce qui fait écho à ça au cinéma ? Le plan séquence. Et pourquoi il n'y a aucun plan séquence dans Hitman Agent 47 ? Les seuls plans séquences qu'on a, c'est des idées, comme celle par exemple où il y a la caméra qui fait des tours pour se mettre dans l'action, ou la caméra qui fait une énorme bascule pour montrer qu'ils vont se renverser sur un tram. Mais c'est des idées. Oui, non, mais vraiment, on a des on voit quelques bonnes idées, mais vraiment en fond, on a au bout d'un moment la caméra qui fait un tonneau sur elle-même pendant une scène d'action. On a... Mais ça dure 5 secondes et le reste c'est ultra convenu, c'est un montage hyper rapide entre les deux mecs en train de se tirer dessus. Ouais, c'est ça. Mais c'est le problème, il y a plein de youtubeurs qui le sortent, et là je pense que c'est l'illustration parfaite. Mais le problème dans les films d'action aujourd'hui, c'est le montage ultra cut. On a ça dans tous les films quasiment produits par Besson, où malheureusement les monteurs doivent avoir le doigt sur le bouton cut, mais tout le temps pour changer de plan. Là c'est le même problème au final. Enfin, c'est terrible de voir ça, mais il y a très peu de séquences où on a la sensation que c'est posé, que ça veut faire monter de l'intensité, que ça veut créer quelque chose, que ça veut créer une immersion, que ça veut faire en sorte de faire ressortir les aspects du personnage. Enfin voilà, encore une fois, on va le dire à quel point les aspects de respect du jeu d'origine sont anecdotiques. Il y a deux fois où il change de costume, et c'est deux fois où c'est littéralement, il aurait pu ne pas changer de costume, ça aurait servi à rien, ça aurait rien changé, quoi. Non, mais c'est exactement ça. En soi, ils ont voulu faire une référence au jeu, parce que dans le jeu, il se déguise pour passer un peu inaperçu. Là, c'est juste qu'il fout un costume, il en met un autre 30 secondes plus tard. Parce qu'il s'est fait repérer et qu'il n'ose pas sortir une réplique, histoire de dire « faut que je sorte » ou « les prisonniers sont évadés » ou un truc comme ça. C'est un peu le problème, voilà, c'est que de base, Agent 40, dans les jeux, quand tu regardais les jeux, le but c'était de se fondre dans la masse et donc de moins possible parler, mais de temps en temps tu devais quand même te retrouver un petit peu parler. Enfin, les mecs ils avaient pas des détecteurs vocaux qui t'identifiaient tout de suite que c'était toi parce que t'avais la voix qui changeait. Non, mais en soi, c'est clair que il n'y a pas le moindre moment où on a de l'infiltration, enfin, très honnêtement. Si, t'as la séquence dans l'aéroport. On essaie de nous faire croire que c'est du cache-cache et c'est mal branlé. Oui. Mais puis, de base, je t'en parlais, le problème que je trouve dans ce genre de film qui coince, c'est que tu te reposes en fait sur une immersion qui est par rapport à un personnage qui est montré en tant que figure emblématique. Et le problème, c'est qu'il oscille entre le bien et le mal, et tu peux pas forcément savoir si c'est intéressant ou...
Enfin, si, tu peux pas en fait t'identifier à lui parce qu'il est sans émotion de base. Mmh. Et tu le disais même à un moment, t'as même eu peur qu'il se mette à pleurer, ouais, le personnage de Hitman, sans déconner. C'est montré à quel point on se disait à ce moment-là, il peut arriver tout et n'importe quoi dans le film. Mais enfin, en soi, moi je suis complètement contre l'acteur en plus. Déjà que le premier acteur. Timothy Olyphant, ouais. Je l'avais pas tellement, mais alors là, Rupert Friend. Ouais. Enfin, vous jouez au jeu Hitman. Vous entendez le mec comme ça, qui a une voix bien virile, bien... T'as la voice like that. T'es là, t'as Rupert, il est comme ça. Fait une perle comme ça. T'es là. No, Mr. Sanders. Non, je vais pleurer. T'as l'impression qu'il va pleurer au moindre truc qui lui arrive. Ouais, c'est ça. Bah, on peut enchaîner sur le casting, résultat. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc, toi, que t'as vraiment pas aimé dans le casting? Un acteur que tu as trouvé totalement horripilant? Pas un plus que les autres, en soi. Ah, moi, je t'avoue que Zachary Quinto, je le note quand même dans ma liste. Peut-être le pire choix niveau acteur dans le rôle de John Smith. Enfin, ouais, c'est vrai que... Il est très très mauvais. Pourtant, Zachary Quinto, pour ceux qui le connaissent, putain, c'est Spock dans la nouvelle version de J.J. Abrams. C'est l'acteur principal de Margin Call de J.C. Chandor. C'est une révélation quasiment pour le cinéma indépendant qu'il y a eu ces 5 dernières années. Et le mec, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il surjoue et il est enroulé tout le long du film. Et le pire du pire, c'est qu'il est insupportable parce que son personnage est de base très mal écrit. Et en plus, lui, n'arrive pas à lui donner un aspect qui pourrait le rendre intéressant. Voilà, mais parce que, grosso modo, ils l'ont écrit comme l'agent Smith dans Matrix. Oui, c'est un peu ça. C'est l'espèce de connard qui a un but sa personne et qui est persuadé qu'il peut contrôler tout le système, alors qu'en fait, quoique les gens Smith, quand même, il était, enfin, c'était une figure qui était imposante, ouais, qui faisait peur. Là, je suis désolé, mais à chaque fois que tu vois se planter, tu sais que ça va devenir un gag, quoi. Mais totalement, enfin, il est super mal géré. Ouais. C'est vrai que maintenant que j'y pense, en fait, c'est carrément ça, c'est l'agent Smith contre le Terminator. Oui, c'est un peu ça, oui. Ah oui, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais à des moments où l'agent 47 se retrouve à marcher dans la rue, et étrangement, il arrive quand même à rattraper le personnage de John Smith et le personnage de Katia qui sont en train de courir, et il les rattrape en marchant. Et en marchant au ralenti, en plus. Oui, c'est ça. Parce que on essaye de nous faire croire pendant une bonne partie du film que c'est l'antagoniste, après il devient un petit peu gentil, après on ne sait plus trop, mais tout le début du film, c'est totalement le Terminator où on le voit marcher au ralenti, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, puis on peut enchaîner. Ouais, Rupert Friend, moi je trouve qu'il passe parce que étrangement à côté, tous les autres acteurs sont pas très très bons. Ciara Nins, qui campe le personnage du docteur qui a inventé le programme agent, il surjoue à mort et cabotine en essayant de faire un accent allemand qui passe pas du tout. Et de son côté, Anna Ware, en fait, elle a un énorme problème, c'est qu'elle est perdue au milieu de ce film. Elle sait pas ce qu'elle doit donner comme émotion à son personnage parce que le personnage de base est pas forcément très très bien écrit. Donc voilà, elle est perdue, elle sait pas dans quelle direction aller, elle sait pas comment amener son personnage. Voilà. Et Rupert Friend, au final, qui est sans émotion, est celui qui apporte presque le plus d'émotion dans le film parce que il a pas grand chose à construire au niveau de son personnage, quoi. Ouais. Mais bon, il le fait bien. Oui, c'est ça, il le fait bien. Bon, voilà, Hitman Agent 47, si tu devais tirer un bilan, Thomas. Si je devais tirer un bilan... À mort les adaptations de jeux vidéo. Non, j'ai pas envie de dire à mort, parce que j'ai vraiment envie de croire qu'un jour on aura une vraie bonne adaptation et que... Warcraft, par Duncan Jones, peut-être. Peut-être Assassin's Creed. Oui. Si ils ont les couilles de faire quelque chose de différent, peut-être Assassin's c'est Creed. C'est ça, on verra bien. Ouais. Mais donc, ouais, le mais film bon. En lui-même, qu'est-ce que t'en gardes? Rien. J'en garde vraiment ce qui m'a traumatisé, c'est que c'était bâclé. C'est... Enfin, il y a des moments, en tant que chef opérateur, j'aurais viré l'assistant qui fait la mise au point. J'aurais viré l'assistant caméra sur un bon 12e des plans du film. Comme ça paraît pas beaucoup, ça fait quand même toutes les 1 ou 2 minutes, on a un plan qui est flou. La mise au point n'est pas sur l'acteur. Ouais, c'est ça, je trouve ça monstrueux. Ouais, t'as raison. Ouais, bah moi c'est pareil, enfin, je trouve que c'est un film qui est pas lamentable, mais qui est très mauvais, qui a tendance à enchaîner les poncifs et les gros handicaps du genre, qui n'est pas du tout un matériau respectueux de son aîné, qui n'essaye pas du tout de s'inspirer de choses qui pourraient être intéressantes en matière de jeux vidéo ou en matière de cinéma, et qui ne sait absolument pas comment faire en sorte qu'un bon jeu vidéo devienne un bon film. Enfin voilà, c'est arrangé à côté, malheureusement, du premier Hitman et aller facilement de Doom, moi je trouve, de cette adaptation lamentable qui était Doom. Et encore, Doom a essayé de faire un plan séquence en vue à la première personne. Ouais, mais il était dégueulasse. Ah oui, ouais. D'ailleurs, en passant, les effets spéciaux de ILM, George Lucas, tu peux enlever ta branche asiatique de ILM, parce que franchement, là, elle a merdé, mais à mort, sur tout le film. C'était immonde, les effets spéciaux se voient à 10 km, et les personnes en CGI, je crois que c'est le pire, se voient à 200, enfin, à l'avance, mais d'un degré, c'est monstrueux, quoi. Enfin, oui, enfin, tu vois des mecs tomber de moto à un moment... C'est juste des ragdolls, quoi. c'est ça. Non, mais c'est ça, oui, t'as raison. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà.
Merci Thomas, malheureusement merci d'avoir vu un mauvais film et d'être passé à en parler. C'est toujours pas grave. Hein. Puis j'avais ton soutien quand même pour voir le film, c'était toujours bien de voir ton regard perdu à chaque scène, c'était toujours intéressant et ça me rendait des sourires. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien de voir des films, sauf quand c'est des mauvaises adaptations de jeux vidéo et qu'elles ne respectent pas le matériel d'origine, évidemment. Et puis on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Et quand il y aura une nouvelle adaptation de jeux vidéo, évidemment, Thomas remettra le bout de son nez devant cette caméra. À plus. Ciao.